Je m'arrête un instant sur le seuil de ce temps de prière. À l'intérieur, le Christ m'attend. En ses mains, je dépose mes tracas, mes soucis. J'entre. Me voici en présence de mon Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 2 décembre de la première semaine de l'Avent. En ce début de prière, je vais silence en moi, si des intentions ou des pensées sont trop prégnantes, j'en parle au Seigneur. Une nouvelle fois, je lui demande d'où vient mon cœur, mes sens, pour accueillir sa parole de confiance. Oser m'appuyer sur lui comme sur un roc. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, ce cantique sera chanté dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Le Seigneur a mis pour sauvegarde murailles et avant-murs. Ouvrez les portes, elle entrera la nation juste, qui se garde fidèle, immuable en ton dessein. Tu préserves la paix. La paix de qui s'appuie sur toi. Prenez appui sur le Seigneur, à jamais sur lui le Seigneur, le roc éternel. Il a rabaissé ceux qui siégeaient dans les hauteurs. Il a humilié la cité inaccessible, l'a humiliée jusqu'à terre, et lui a fait mordre la poussière. Elle sera foulée aux pieds, sous le pied des pauvres. Les pas des faibles, parole du Seigneur. Que nos vies reposent sur le don de soi et l'attention aux plus petits. J'en parle comme un ami au Seigneur. Âme du Christ, sanctifie-moi. Corps du Christ, sauve-moi. Sang du Christ, enivre-moi. Eau du côté du Christ, lave-moi. Passion du Christ, fortifie-moi. Ô bon Jésus, exauce-moi. Dans tes blessures, cache-moi. Ne permets pas que je sois séparé de toi. De l'ennemi, défends-moi. À ma mort, appelle-moi. Ordonne-moi de venir à toi, pour qu'avec tes saints, je te loue dans les siècles des siècles. Amen.